Bonjour et bienvenue sur Vargécraft, ici Bartholomew 27 et je suis en compagnie de JV72. Bonjour JV. Salut Bartholomew. Et aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouvel épisode de Minecraft en hardcore. Là, la dernière fois qu'est-ce qu'on avait fait? On avait... Oh là attention, il y a un creeper. Moi je suis plutôt un petit lâche, tu vois, je rentre à la maison. Ouais, qu'ils viennent pas nous péter la maison. Donc vas-y, explique. Et du coup, ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est qu'on avait chassé notre petit poulet, là, vous voyez, les petits poulets qui sont là. Ils nous avaient bien suivis, d'ailleurs, le petit est devenu grand, hein. On a commencé une petite agriculture, comme vous voyez ici, de blé pour l'instant, hein. On a juste récupéré des graines facilement, hein, vous savez, en cassant des petits feuillages là par terre, des mauvaises herbes. Et on a planté un peu de bambou. Et ensuite, ce qu'on a commencé à faire, c'est la grande muraille qui va englober nos terres. Et là, vous voyez JV qui est en train de combattre un creeper, c'est épique. Concentration. Bien joué. Et surtout, et là... ne sors pas parce qu'il y en a un juste devant la maison. Ouais, il est tombé dans la grotte, fais gaffe. Va pas dans... Ouais, va pas te... Je vais aller le voir. Voilà, moi je suis le caméraman, hein, je filme. Hey, creeper. Vas-y, viens. Viens, creeper, viens. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir dans l'eau et puis il va pas se passer grand chose. Du coup, si tu veux, on va pas faire. Si tu peux faire la muraille de l'autre côté. Ouais, je finis la muraille. Ouais, Après, je vais chercher la cobble. Ouais, ok. Moi, j'observe du coup ton combat. J'analyse toujours. C'est pas hyper passionnant, mais. Excellent combat, quel épique. C'est incroyable. Bien joué. Voilà. GG. Bon, c'est bon, c'est réglé. Je ne peux qu'applaudir. Normalement, il n'y a plus de creeper dans le coin. Il n'y a plus de bestioles. Après, ouais. Celui-là, il était courageux, hein, ce creeper. Il est arrivé jusqu'à la maison. Ouais, il s'est promené devant. Il s'est dit que c'était plutôt sympa. Il était prêt à tout cartonner. Et non. Il nous a vu, il s'est dit cela, je vais me les faire. Oh là. Et bah non, du coup. Il était parti pour ça. Lui, sa vie, c'était exploser des maisons. Bon, les poules, c'est bien sympa, mais donnez-moi vos œufs s'il vous plaît. Merci. Alors, on va faire la muraille. Oh quoi? Une poule qui est sortie. Sale bait. Vas-y, tue-la. Elle est dissonante. Non. Elle est dissonante. Tue-la. Rentrez. C'est quoi ces poules là? Est-ce que t'as de la cobblestone? Allez, vas-y, elle m'énerve. Elle est dissidente, tu l'as. Ah, je n'ai plus de la cobble du coup. Ah. Je vais en chercher. Va falloir qu'on en récupère alors. Je vais en chercher. Ça roule. Moi je vais rechercher des graines du coup pour faire accoupler. Est-ce que c'est des graines qu'il faut pour faire accoupler des poulets? Je sais pas si c'est des graines ou de la paille par contre. Je sais pas. On va tester les graines. Si c'est pas les graines, tant pis. Non, ce sera pas les graines, ce sera la paille. Oh ouais, là là, il y a 2-3 creepers dans la grotte. Oh là. Laquelle là. La nôtre? Ouais. C'est qu'on a peut-être pas bien assez torché. Je crois, hein. Visiblement en tout cas. Ok. Ah oui, c'est un... Oula, oui, d'accord. Ah oui, oui. Ah oui. Les gars, il y en a encore 2 dans la grotte. Ouais. Bon, il hésite. Il met une heure le creeper à venir. Boum! Allez! Non, il veut pas. Il veut pas boomer. Fais gaffe. Ah, après j'ai récupéré des côtelettes pour me battre, c'est vachement moins pratique. Voilà, boom. Attention. Oh! Il veut pas. Fais gaffe! Oh. Combat épique avec une épée en bois. Ah, bien joué, c'est. On en a eu un. On l'a abattu. Il y en a encore 2 dans la grotte. 2? Ouais. Et... On l'a. Ah oui, il y a une zone d'ombre. Ah, attends, dans la grotte. C'est pour ça. Salut! Il arrive tranquillement, tu sais. Ouais, ça va, je viens de me réveiller, c'est le matin, quoi. Comment il va?
Oh non, tu m'as envoyé! Ça va, t'es pas mort? Non. Excuse-moi, c'était pas prévu. Tant qu'il ne casse pas notre muraille, ça va. En théorie, le combat, c'était censé mettre un coup d'épée, puis il mourait. Ouais, mais non. Alors du coup, il est où le dernier? Que je l'ai vu tout à l'heure. Il est là? Ah, il y a un zombie aussi. Ok, super. Attends, je vais torcher. Ouais, ouais. Ah, je pense à cause de ça. Ils sont là? Je pense qu'ils sont plus bas. Hein. Peut-être, ouais. En vrai. Ouais, il est plus bas. Ah, mais en fait, y a pas de creeper là? Non? Bon, mais ça... non, c'est bon. Easy. Tranquille, tranquille. Bon. Bon, moi je vais faire accoupler les poulets. Vas-y. Ah, mais ça marche, tu peux les faire accoupler sans. En fait, tu les fais accoupler avec de l'acide. Ah, les graines. Du coup, c'est impeccable. Là, je les ai fait accoupler. Ah oui, j'entends un bruit de zombie. Je me demande où est-ce que ça vient. En bas, là, juste à côté de là où je suis, apparemment. Ouais, je pense, parce que moi, j'ai pas de zombie. Bon, hop. Je vais chasser des... comment ça s'appelle ? En attendant que tu récupères de la cobble, du coup, je vais peut-être voir si je peux trouver des vaches. Ouais, vas-y, vas-y. Je vais récupérer du bois aussi, parce qu'on n'a plus de bois. Et puis comme ça, on va pouvoir finir notre zone, commencer à avoir un élevage de vaches. Ouais. On va être bien après. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste qu'on ait ce qu'il faut pour être bien, puis après, on sera tranquille. Hop. Bon, vous voyez, le plus courageux de la bande, c'est pas moi. Hein. Pour l'instant, je cherchais surtout de la cobble. Vas-y, vas-y. Moi, je vais... Je vais faire des barrières pour pré-shot, du coup, les moutons. Enfin, les... Ah ouais, pas bête. Comme ça, quand je vais arriver, j'aurai juste à les rentrer dans la... Exactement. Peut-être faire un enclos plus grand aussi que celui pour les poules, parce que celui des poules est un peu court. Ouais, ouais, bah et après c'était des poules, donc y a pas besoin de trop, mais je pense que pour les autres trucs, il va en falloir peut-être plus. Ça marche comment? Comment on fait déjà un... des barrières? Ah. Faut payer dans la table de craft. Ah, oui, ah, d'accord. Ok, mais non, mais moi j'étais à l'ancienne c'était 6 morceaux de stick là, tu sais. Ah oui. Maintenant c'est plus 6 morceaux de stick, c'est des morceaux de stick et des bouts de bois. Et oui. Enfin, des planches. Excusez-moi. My bad. Ah, il y a une poule miniature. Yes. Je les ai fait s'accoupler. Bien joué. J'ai cassé ma pioche, du coup. Hop. Alors on placera Jean-Michel qui est mort dans la dissidence. C'est une drôle de façon de régler tous les problèmes quand même. C'est ça. Toi, tu vas coucher avec le bébé. Non. Oh ouais, c'est glauque. Ça marche pas. Par contre, tu peux les faire grandir plus vite les bébés apparemment en leur donnant des trucs là, comment ça s'appelle, mince, des seeds, voilà, je trouvais plus de mots. Ah oui. Et il est venu de loin. Hein. Ouais, ouais. Tu peux te moquer là. Ouais, je crois que c'est approprié, ouais. Là, voilà, j'en ai 51. J'ai pas fait de barrière. Faudrait quand même agrandir l'enclos des poules, je pense. Ouais, attends, je vais faire ça aussi. Oh, j'ai oublié. Quel crétin. J'ai pas fait de... J'ai pas fait de porte. J'ai fait le... J'ai fait les barrières, mais j'ai pas fait les portes. C'est problématique. Tu vas pouvoir en refaire. Oui. On continue. Vous allez voir, moi je procrastine à fond. Hein. Je peux faire 15 fois le tour de la map.
Tac, et voilà. C'est reparti pour moi. Je reprends le ménage. Fais gaffe par contre, parce que la nuit elle va se coucher là. Enfin, elle va se lever. Ouais, c'est du rapide. Pas très sympa. Ouais, donc fais gaffe, hein. Fais gaffe à toi. Surtout que j'ai pas de lumière dans mon trou là, dans ma grotte. T'as pas de lumière dans ton trou? C'est surtout que la grotte elle est pas très lumineuse là. Oui, effectivement. De le design de. Bon, je trouve un peu de fer. Ah, nice, c'est cool ça. Pouvoir se faire une cisaille du coup. Ouais. Pouvoir se faire une cisaille. Bah, tu remontes et il fait nuit. Ok, j'arrive. Comme ça, on va pouvoir passer la nuit. Tranquillou bilou, moi je vais pouvoir aller chasser chasser les animaux et faire les barrières. Et comme bon. Ça, après on va pouvoir aussi finir la muraille tout autour. Ça, cool. Ce sera pas mal. Oh, ça va, 8 de fer, c'était pas mal. Hein. Ah oui, 8 de fer, oui, c'est pas dégueu, hein, franchement. C'est pas mal. Bon, je vais voir dans le souterrain si on a encore des creepers, je pense que oui. Ouais, c'est possible, ouais. C'est fort possible. Alors, il n'y en a pas là. Moi, je récupère notre production de blé. Eh ben, écoute, vas-y. Le blé. Oh, mais non, il y a un poulet, il est mouru. Ah non, il est devenu ridiculement petit. Ok, alors, bon. Ok, Eh ben, c'est parti. Oh, une pomme! Je veux. Moi. Alors, moi il y a un creeper là-bas. Il y a un creeper, ça pue. On n'y va pas. Oh, il y a un voyageur. Regarde. Là, viens voir. Attends, vas-y pas. Non, vas-y pas. Mais si, ah, non, si. Mais. Si, c'est un voyageur, pour de vrai. Marchand. C'est un vrai marchand. Ouais, pas mal. Bon, il a rien d'intéressant, mais... Ouais, non, mais c'est pas mal. Il se faisait poursuivre par un zombie. Ah, bah, écoute, je l'ai joué. Défendu. Est-ce qu'on peut pas l'enfermer chez nous, lui? Non. Non, tu penses pas? Bah, on doit pouvoir, mais bon... Parce que le mec, il va enfermer tout le monde chez lui. Est-ce qu'on peut pas l'enfermer chez nous, lui, le séquestrer, vas-tu? On peut, mais bon... Ça m'intéresse pas mal, ouais, voyez. Mm-hmm. C'est pas très très honnête, quoi. Vends-moi des trucs, reste chez moi. C'est surtout que son stuff est pas hyper intéressant, quoi. Et bon, quoi, j'ai pas vu. Rien de bien fou. Il vend que de la bouse. Oh, dommage. Globalement, oui. Alors, où est-ce que je suis? Est-ce qu'il y a des monstres? Est-ce que je risque de mourir? Peut-être pas. Meurs pas. Oui, ça. Surtout ça. Ouais, après, voilà. Tu vois. La plus-value, c'est de ne pas mourir, surtout. Hop, je mets un peu de torche partout, histoire d'être tranquille. Nice, voilà. Nice. Tu finis la muraille, du coup? Ouais, je m'occupe de la muraille, t'inquiète. Cool. Et ouais, tu oublieras pas de faire des portes d'entrée aussi. Ouais, c'est mieux. Alors je sens qu'il y a une grotte, enfin en tout cas un truc à découvrir juste à côté, mais j'ai pas encore trouvé. Bon. Tiens, du fer encore. Nice. Nice. Ça chope du fer, c'est cool. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir se faire un slip en or, en argent, pardon. En fer, pardon. Voilà, je déconne la peinture, moi. Alors, est-ce que je vais trouver des vaches? Alors ça, c'est une autre histoire. C'est ça.
Legolas, que voient vos yeux d'aigle? Rien de tout. Qu'est-ce que c'était que ça? Tu connais pas le Seigneur des Anneaux? Mais si. Ah, tu vois, alors... Ah, du... Comment ça s'appelle? Du gravier, c'est bien ça, gravier. Ah, du fer encore. Moi, j'ai pop du gravier, donc je récupère. Parce qu'on va pouvoir se faire des briquets. Exact. Je sais pas pour quoi faire, mais on va pouvoir en faire. Pour brûler. Oui. Pour tout brûler. D'accord. Cet homme est fou. Ouais, je crois. Je peux plus rien faire pour toi. La folie du guette. Un mouton. Ah, mouton. Ah, mouton. De la laine en illimité. Est-ce qu'ils vont pouvoir me suivre après? Très grande question. Très très grande question. Bon, allez, venez. Venez les moutons. Lol. Suivez-moi. Lol. Ouais, c'est ça. Faites bien de bugler, vous. Tu parles aux moutons maintenant? Ouais. Après les poulets, c'est les moutons. Allez. Ah, voilà. Ce qui est bien, c'est que les gens ont découvert des talents cachés que tu as. Voilà, je suis un grand protecteur des animaux. Allez. 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 Qu'est-ce que tu fais, Jean? Jean-Michel, reviens. Voilà. Tous les animaux, je les appelle tous Jean-Michel. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison. D'accord. Si, bah jamais, ouais. Si jamais tu t'appelles Jean-Michel et que tu regardes la vidéo, ne prends pas ça contre toi. Je n'ai rien contre les Jean-Michel. Jean-Michel. Comment tu fais pour les reconnaître s'ils s'appellent tous Jean-Michel? Ils ont forcément un petit signe distinctif. Ah bah oui. Jean-Michel à gauche, il a un œil qui part à droite, et Jean-Michel à droite, il a un œil qui part à gauche. D'accord. Par exemple. Jean-Michel. Pénible, hein, Jean-Michel. Tu m'écoutes pas vraiment, Jean-Michel. J'ai l'impression que tu fais un peu ce que tu veux, Jean-Michel. Je commence à t'embrouiller, Jean-Michel, hein, je te le dis. Bon, je vais sortir un peu de ma caverne. Ça sent le squeletton qui prend cher du cul. Et on va faire attention. Alors là, là c'est le moment un peu Bear Grylls. Tu connais Bear Grylls? Ouais, il saute dans une falaise dans de l'eau. Alors moi, je fais pareil, mais pas dans l'eau. Et tu meurs. Vas-y. J'ai entendu comment ça s'appelle? Un espèce de bruit d'Underman chelou dégueulasse. Ah bah, fais gaffe. Je suis dans l'eau. Il ne peut rien me faire. Oui. Tu crois ça? Oh, la pire idée de mettre des moutons dans l'eau. Allez! Quelle idée. Oh, puis il y en a un qui fait demi-tour, du coup il s'est dit ah, oh, bah tant pis, on m'abandonne, je m'en vais. On veut pas de moi ici. Ouais, c'est ça. Reviens. Reviens. Fais gaffe. Viens, allez. Dépêche-toi. Viens. S'il te plaît. Pitié. Voilà. Comme ça qu'on parle à un mouton. Ok. Allez. Regarde, la berge, elle est là. Franchement, t'es à 2 pas. 3 pas. 6 pas. T'es pas loin, quoi. Dépêche-toi. Voilà. Non. Tu vas revenir, oui. T'es pénible, toi. Toi, t'es pénible, toi.
Voilà. Tu vas voir. Hein. Première fois que je te vois, tu t'en vas. Ah bah, je t'exécute. Hein. Allez. Les poulets aussi, ils faisaient les malins comme vous, là. Il y en a déjà deux de morts. Moi, je vous dis. Je vous préviens. Là, je peux te le dire, ils rigolent même plus. Hein. Ouais, c'est ça, suivez-moi de près. Ouais. Suivez-moi de près, ouais. C'est ça. Moi, je rigole pas avec vous. Je suis pas friendly. Moi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Les gens vont se dire que t'as quand même un problème. Ah bon? Bon, ça va, j'arrive juste à tenir une conversation avec deux moutons. Ah oui, mais c'est pas un problème. Ah, je suis là. Ah oui, je te vois. Eh bien... Franchement, tu vois... J'ai fini la muraille. Nice, GG. Impeccable. Et puis le marchand qui monte en haut de la muraille en mode « C'est mon territoire !» On l'a tous vu. Ouais. Est-ce que t'as encore de la terre sur toi ou pas du tout? De la terre? Ouais. Parce qu'il faut que je fasse traverser ces deux moutons. Ah zut. J'ai de la pierre. Ah bah c'est parfait aussi. C'est juste pour faire traverser ces deux énergumènes là. Avant la nuit. Allez-y. Voilà. Bon, par contre, là, il va faire nuit. Ah oui, bah là, oui, ça craint. Ah bah, il est devenu invisible, le marchand. Il est parti. Allez-y, les moutons, s'il vous plaît. J'y vais pas mourir. Car je vous abandonne, hein, moi, je vous le dis. Hein. T'inquiète. Elle est où, l'entrée ? On fait tout ce chemin. Elle est là-bas, devant la maison, là. Bientôt. Mais non, reviens-toi, Bordokalai. Ah oui, le marchand, il s'est mis invisible. Ah là. Allez. Passez les portes. Bande de débilus. Il passe pas les portes, casse les portes. Débile. Hein. Vas-y. Allez. Allez, t'en pas suivi. On va pas mourir sur des moutons quand même. Allez. Mais passe la porte, toi. Allez. Voilà. Voilà. Allez. Allez. Ah, mais punaise. Vas-y. Allez. Toi, je te pousse au cul, toi. Voilà. Vas-y, tu peux fermer les portes. Il va mourir, ces cons-là. C'est bon. Ils vont mourir. Non, mais ils vont mourir. Regarde, ils sont tombés dans la grotte. Bande de débilus. Il y en a un dans la grotte. Bah, les deux, maintenant. Reviens. C'est exaspérant. Il te regarde, en plus, en mode... Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Allez. Ah là là. Voilà, déjà. Voilà. Ouais, pas encore. En fait, il y en a un, il s'en fout complètement de ce que je peux lui proposer. D'accord. Voilà. Voilà, et puis ils vont aller là-dedans, et puis c'est tout. Hop. Et tac. Et hop. Allez, venez. Tombez pas dans la grotte. Ah ouais, non mais tu sais, ils sont tellement débiles que... Allez,
Allez. Ce sera la dernière chose qu'on fera dans cet épisode. Exactement. Tiens, essaye toi si tu veux. Moi, ils s'en foutent complètement, quoi. Royal. Ok, alors. Attends, je vais essayer de le faire. Allez. Ah, t'as vu, toi, ils te suivent. Moi, ils me suivent même plus, hein. Ah, ils t'ont trop vu. Ah ouais, moi, ils m'ont trop vu. Je crois que je les ai saoulés. Vas-y, elle est là, l'entrée, elle est là. Ah, rien. Ah ouais, moi, j'ai dû les saouler. Je sais pas, il y a un truc, mais... Je crois que je leur ai trop mal parlé, je crois, sur la route. Ah, ok. Vas-y, ferme l'enclos. Vas-y, ferme l'enclos. C'est bon, yes. Voilà. Voilà. Ah, bah quand même, hein. Puis on va aller faire s'accoupler, tiens. Voilà. Et voilà. Parfait. Impeccable. Impeccable, impeccable. Est-ce qu'on a torché suffisamment la zone ou pas? Je suis pas sûr. Pas certain, non. Il y a encore des endroits d'ombre. Je pense notamment à derrière la maison. Voilà. Bah écoutez, chers amis, c'était pas mal, hein, je pense. Hein. Pour un quatrième épisode, on a bien avancé. On a bien regardé nos cultures, comment elles sont fleurissantes. Nos moutons, comment ils sont bien relous. On est bien. C'est un havre de paix, je dirais. Exactement. Avec les zombies dehors qui ont les boules de pas pouvoir rentrer. Ah oui, c'est vrai, en plus, c'est un zombie. Je crois les zombies, non ? Il y a un slime, je sais pas. Je crois qu'ils peuvent casser les portes. Ouais, il me semble aussi. Il me semble aussi, ouais. Ouais, ouais. Bon, bah sur ce, chers amis, du coup, on va peut-être s'arrêter là. Ouais. Absolument. Et on vous dira du coup à la prochaine pour la suite de cette aventure sur Minecraft. Qu'as-tu à dire ? Que veux-tu dire ? Dis-moi. Ah, pardon. J'attendais que tu parles en fait. Ah, d'accord. Non, je disais merci de nous avoir suivis. Et puis, bah écoutez, c'est toujours un plaisir de savoir que vous nous suivez. Et donc, on vous dit à la prochaine et on fait de gros bisous. Exactement, et n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et de vous abonner. Des gros bisous.